Voilà, bienvenue à ce troisième numéro de la jeunesse face à la politique après Nathan Banzé, après Gloire Kaloumé, après l'honorable Franck Kabunda. Bon, le quatrième numéro, nous sommes avec Sam Tunda, étudiant de l'UPC, analyste indépendant. J'ai toujours dit que Plateau Nanga et Zali ouvert pour Namoutounio soit et l'obi kakate que le roi Tobé Taramasolo politique n'est aux Alakan a besoin et ma politicien. Nous avons besoin de tout le monde pour éclairer l'opinion dans Makambo et Tali, actualité politique. Il y a un cannabis au RDC, Kinshasa, les lots, Rosana. Quelques questions, on a essayé un peu de débattre, un peu de éclaircir, Nande Kosam, Tunda, mais qu'on peut son opinion par rapport à Makambo et Zoleka, Nakati, à un cannabis. Bonjour, Nande Kosam. Bonjour beaucoup. Congolais de père et de mère Oui, Congolais de père et de mère, mais malgré tout, question on est un peu dérangeante, mais Naza Congolais de père. La province, là. Naza Songe okay. Et Luba. Naza Songe et Luba. Oui. Luba, donc, il y a le pouvoir. Ah, le pouvoir est un Congolais. Il y a une catégorie de personnes. Pour que les Congolais sachent que le pouvoir nous appartient à tous, ils ont juste que représentant la mission numéro 1, le premier citoyen, ils ont juste Luba. Mais Bato, les cas avant, Luba a le pouvoir. Comme il y a le pouvoir, le quoi, il y a. Groupe Moroya Bato a laissé. À l'époque, on ne pouvait pas parler de. On ne pouvait rien dire au Swahili. Et ça se fait aussi aujourd'hui. Bon, c'est ça là où Nagoluba que la mentalité congolaise pêche. On se dit que lorsque Moulouba a le pouvoir, ça veut dire que le pouvoir est à Baluba. Lorsque Songa a le pouvoir, ça veut dire que le pouvoir est à Basonga. Alors que le pouvoir nous appartient à tous. Et ce que tu dis est vrai. Lobby n'a assisté dans la discussion mon contre oui ou ana taximène mon corps. Oui, ou azo sa taximène que. Donc ça veut dire que si tu n'es pas Félix, il y a Koyo Kelayote. Donc moi je veux que mentalité on a fait long on a mis toi Congolais. Même le président Yemoura Lobango, il n'est pas que président pour la UDPS, il n'est pas que président pour la Louba. Il est le président de la République démocratique du Congo, nous tous en tant que Congolais. Donc il est aussi le président de la Mouka. Bien sûr, il est le président de tout le monde. Il est le président des membres du PPRD, des partisans de l'UNC, de ceux de l'ECID. Il est le président de tout le monde, sans aucune tendance confondue. Dès le moment où il a atteint la magistrature suprême, il n'est plus président d'une certaine catégorie, que ce soit sociale, que ce soit politique ou que ce soit tribal. Il est le président de tous les Congolais. Quelle impression ça vous fait de voir que dans les obsèques, il y a monsieur, il y a cardinal Mosengo, le président de la République arrive, il entre dans l'église, Martin Fayulu, le président de CIDE, ne se lève pas. Bon, déjà le président Fayulu, jusqu'à aujourd'hui, il estime avoir été lésé, il estime que bah, il va y pouvoir naïr. Pour naïr, il est loin des falaises à la présidence de la République. Est-ce que c'est faux? Pour naïr, bon. Nazala va, on a eu tous un élément moral des prouvés que ça est faux. En tout cas, on a voté. Je ne peux pas affirmer des choses que je ne maîtrise pas. C'est vrai que selon le sentiment que Rose a, peut-être qu'il nous gagnera. Mais on doit se fier à ce que la CENI a dit pour ça. Il y a des motos à l'arrière habilité, il y a habilité à Koloba qui est président et la CENI a proclamé le président Félix. Est-ce que c'est en refusant de se mettre debout que qu'on n'accepte pas que Tshisekedi est président. Moi, Fayulu debout ou pas, Tshisekedi est président. Ah, ça c'est vrai. Mais on doit se le dire. Puisque ça veut faire un débat dans Katia Minokoba Congolais que non, Moni Fayulu a boudé qui est président. Oui. Bah, je ne sais pas si c'est une infraction que Boya Hotel m'a souhaité président. Quoi, je ne sais pas. Une chose est vraie, je ne maîtrise pas très bien la loi. Mais le président Félix, quand il était à l'opposition, on ne va pas aussi dire que l'UDPS était exempte de reproches vis-à-vis du président Kabila. À l'époque, on l'appelait Mwana Wana, Boboui Langaye, Bokang Langaye, Boboui Langaye. Je ne pense pas que le président Kabila avait fait arrêter le feu Étienne Tshisekedi. Donc, je pense que quand on atteint la magistrature suprême, on devient un peu plus tolérant sur certaines petites choses. Ma Bendesuki peut être à Télémagafingué. Mais je pense aussi qu'en termes d'élégance, il aurait quand même dû se lever. Parce qu'il reste le président de la République, même si à Gagna, ou ce qui a gagné était comme lui le dit. Ben, c'est que nous devons retenir que Martin Fayulu, le président de l'ECIDE, évoluant. État des droits en RDC, elle est assise ou elle est en voie d'être assise? Non, il n'y a pas d'état de droit en RDC.
Pas encore. Ah bon? Le président de la République, ça c'est coup de chapeau. Hein. Oui. Oui, il tente à faire asseoir l'état de droit. Parce que aujourd'hui, on voit les détourneurs qui se font inquiéter par la justice. Oui. On voit les mandataires publics qui se font suspendre pour des raisons de mais ces mêmes Congolais disent que non, il y a un mandat à Fatia, on carabat toi côté Kaboloko. Oui, mais la politique du président de la République est celle-ci. Il faut que la République soit en mesure de mobiliser plus de recettes. Okay. Alors, le problème commence d'abord à la source. La source, c'est là où on collecte les fonds. Mmh. Et ceux qui collectent, ce sont ceux qui enlèvent. Mmh. Alors, on commence d'abord par intimider les voleurs, intimider les détourneurs, afin déjà que la République puisse percevoir les recettes intrinsèques. Oui. Parce que vous aurez beau créer tous les projets que vous voulez. Oui. Voilà le cas de Bukangalonzo, par exemple. Vous créez un projet, un parc agroalimentaire, mais s'il y a des détourneurs dedans, même ce programme ou ce projet ne saura pas être produire des fruits favorables. Il paraît que ça a été relancé, vous êtes au courant? Le parc agroalimentaire. Oui, ça a été relancé, Misala et Bandeli, vous savez. En tout cas, il n'y a aucun côté, mais il y a vraiment un massacre. Il y a un massacre. Il y a un massacre, c'est un massacre déjà. Il y a un massacre. Il y a un massacre. Malgré ce qu'il y a un massacre. Il y a un massacre. Il y a un massacre, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'en D'accord, donc en bref, l'état des droits n'est pas. Elle n'est pas encore assise, mais moi je dis coup de chapeau au président de la République parce que réellement on voit que la justice aujourd'hui fait réellement des efforts. Je vous montre tout à l'heure dans l'embouteillage, mon cotomoni, colonel Morazoya, le yenge, le yenge. Petit Kanzela. Ailleurs, grimacé chauffeur d'Abisso. Ok, Sam Tunda, analyste indépendant, étudiant à l'IPC. Jacques Ndala passe par l'ANR, passe par le parquet et se retrouve en prison. Le chef de l'État a dit dans ses propos que je fermerai tous ces cachots. Quand je serai président, je fermerai tous ces cachots, ANR, les MIAP, tout ça et tout. Mm-hmm. Mais l'ANR continue à faire entrer les gens dans des cachots. Mm-hmm. N'a-t-il pas trahi son serment? Dire qu'il a trahi son serment, c'est trop dire. La justice a quand même beaucoup de rouages que vous et moi, je pense, on ne maîtrise pas très bien. Mm-hmm. Mais de ce que j'avais entendu de la part d'un juriste, il paraît que même à l'ANR, il y a ce qu'on appelle des magistrats. Non, ce n'est pas magistrat. Ce sont des choses que je ne maîtrise pas très bien, ça c'est vrai. Alors, généralement, je n'aime pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Alors, en ce qui concerne les cachots, bon, un juriste vous dira qu'il a été arrêté, d'autres vous dira qu'il était juste en détention, en attendant de faire face à son juge naturel. La question reste... Puisque nous savons dans le gouvernement passé, 18 ans passés, si tu passes à l'ANR ou Mambimbaté, soit poison, soit torture, soit peu babomio. Nous connaissons tous. On ne peut pas étouffer la vérité. Tôt ou tard, les acteurs principaux, Yamarambouana, vont répondre à la justice. Bon, la spéculation, hein. Bon, je vous épargne les commentaires. Je vous épargne vraiment les commentaires. Matata Pogno doit se présenter à la justice. Matata Pogno s'est dit empoisonné. Pourquoi les politiciens congolais, les détourneurs, les assassins, les criminels de l'économie de notre pays, à chaque fois qu'on veut mettre la main sur eux, et comment acaba maladie, et comment acaba poison, et comment acaba raison qui dit qui dit. Quel conseil donnerez-vous au Premier ministre Matata Pogno, l'ancien Premier ministre? L'ancien Premier ministre Matata Pogno, que je respecte énormément, il est d'ailleurs professeur à l'Université protestante au Congo, un homme très brillant, je pense que sa brillance intellectuelle n'est plus aujourd'hui un motif de doute. Oui. Lorsque la procédure sur Bukangalonzo a commencé, l'ancien Premier ministre n'était même pas au pays. Je pense que s'il voulait s'échapper, il aurait pu le faire. Oui. Mais il a préféré, comme il a dit lui-même, je reviens pour affronter la justice. Oui. Ça veut dire qu'il estimait ne pas être coupable. Il estimait ne pas être en porte-à-faux sur Makambu Oyo Bazalaki Kofundelaye. Alors,
Il estimait. Il estimait. Voilà. Parce que Nakoki a affirmé qu'Aza coupable, compte tenu du fait que justice congolaise et Pesaka Bissonio sont présomption d'innocence. Tant que ba condamné au thé Kozali, Mouyibi, Kozali, na Mbebawana, selon justice congolaise, on en a nous innocents. Donc, l'ancien premier ministre Matata Ponyo Aza innocent. Conseil au moins à la rue Koloba, et ça que a affronté la justice, n'est pas longo bani. Mais après, pour déjà, excuse, il y a poison comme Nicolas qui s'est est en train d'échapper à la justice, puisqu'il y a ses avocats qui demandent l'évacuation, qu'il aille à l'étranger. On sait qu'une fois qu'on ouvre les aéroports pour Matata Ponyo, tout la moussia, ça c'est fini. Bon, déjà, ils ont salagé, choté pour la justice. Lui-même, il a dit que pour lui, cette justice, elle est politisée. Donc, en d'autres termes, déjà dans la tête du professeur Matata Ponyo, qu'il soit coupable, qu'il soit innocent. Donc, ce qui fait que pour la haie, Aza n'a pas ça au Guinée, on a été pour, a émis déjà Nengeni aussi, il est là. Ok. Alors, et là, on est ça, là, que les politiciens, on va bé la kakaka, il y a prison ou bien justice. Ça, c'est une bonne question. Moi, pour moi, ils ont une façon de fuir. Ce n'est quand même pas une coïncidence que presque Bangonios, ou soit ceux qui déjà goûtent dans ma calabouna, bon, Abeli, il faut pas de misaï. Si le lion a habité sur les caméras, ils sont dans ma calabouna. Caméra est à ma calabouna, je viens de rappeler ça il n'y a pas longtemps. Donc, caméra est toujours à ma calabouna. Alors, nous allons passer avec nos deux dernières questions sur la loi de la congolité et l'affaire de $500 dot. Nous commençons par la congolité. Oui. Congolité et Pélissi Motonakatia ensemble pour le changement Yande Konabiso Moïse Katumbi. Pourquoi il y a ce mauvais vent Nakatia ensemble? Ensemble se reproche de quoi face à cette loi Tiani? Alors, il faut déjà essayer de couper seulement la petite histoire. Oui. La loi est bandée effectivement dans Noël Chani, qui disait que, qui proposait que pour être président de la République, faut être congolais de père et de mère. Effectivement. Mais Noël Chani, n'étant pas député national, il ne pouvait pas aller déposer la loi. Alors cette loi a été maternée par l'honorable Nsingi Bululu, qui a décidé de prendre la loi, de la, on va dire, alors, si vous battez Moïse Katumbi, là c'est son péché, ensemble pour estimer que d'une manière ou d'une autre, loi Wana est indirectement rattachée, écarté, leader na bango na course, il y a 2023. Donc, Bango va reconnaître que leader Nabango est congolais de père et de mère. Puisque Moto n'est pas là dans les vides. Bon, déjà. Si déjà on dit qu'on vise Katumbi pour l'écarter dans la course électorale, c'est qu'ils reconnaissent aussi que Katumbi a une origine moro douteuse. Il faut la nuancer. Oui. Déjà, la loi de Nsingi Bululu a déposé deux lois. Oui. La première est apportant modification à la constitution. Voilà. La seconde est justement pour le profil du président. Voilà. Pour la modification à la constitution, Azo proposait trois lois où il faut pas modifier. Okay. La loi 10 où est relative à la nationalité, c'est-à-dire soit d'origine, soit par acquisition. Voilà. La loi 72 relative à profil du président au Azo Lobake. Président, il faut être la congolais d'origine. Voilà. Pour Bango va faire modifier ici Kawana. Et puis la loi numéro 111, ils ont levé la profil, il y a président de l'Assemblée nationale, la président du Sénat. Voilà. Que Bango paye, il faut ça dans mon longo mon Kawana. Et ça, première partie à loi. Et deuxième partie, c'est quoi? Bazo le bague pour Koko ma président, il faut être la congolais de père et de mère. Voilà. Mais, ma juriste, Moussous Bazo le bague, et l'autre la Bango, et Koki paye Kolekate, en toute logique, parce que article 222, si je ne me trompe pas, ils ont l'obéla le fait que ma coquille qu'on diminue, ma droit y'a ma congolais, ni ma prérogative y'a ma province. On peut ajouter des droits aux congolais, on peut ajouter des prérogatives aux provinces, mais ça pêche où? Parce que qui est congolais d'origine déjà? Il y a cinq spécificités de congolais d'origine, soit appartenant à une tribu qui est. Qui a été sur le sol congolais avant
1960, oui. Soit être né de père et de mère congolaise, voilà. Soit être né d'un des parents congolais, et ça va être mis en France, en Belgique, mais ceux qui l'un des parents n'a pas congolais, vous appelez congolais d'origine. Très bien. Troisièmement, ceux qui au bout mis un seul congolais, mais vos parents apatrides, c'est-à-dire que vos parents nous basent la bonne nationalité morotée, au bout mis un seul congolais. Mm. Et troisièmement, et ça par présomption, c'est-à-dire que au Koutani, par exemple, il y a un bébé mort au bouet. Ataza, vous avez bien qu'à ça, mon délai. Mais au Koutani, par exemple, il y a un barumbu. Vous avez vu, par anité, vous avez vu, ce qui en réalité, moi, on a un azawapi. Azape congolais d'origine. Alors, lorsque on veut maintenant restreindre Nini, bah, poste régalien, et à la bah, ministère, mais sous, et à la présidence, rien que dans le congolais de père et de mère, ils en ont toujours le mot là-bas droit. Il y a au moins quatre catégories de Congolais. Il y a des gens qui ont droit à ça. Il y a des gens qui ont droit à ça. Ce qui fait que la loi 222 est un peu lésée. Or, la loi 222 est une loi verrouillée qu'on ne peut pas modifier. Ok, donc pour vous, on ne peut pas modifier, mais ça a modifié. Pour moi, non, ce n'est pas pour moi. Le législateur a décidé que oui. L'article 222 portant réduction des droits ne peut pas être ne peut pas être modifié. Ça restera comme ça. Ça restera comme ça. Est-ce que vous, maintenant, par rapport à la loi du professeur Noël Tchani, oui. Vous avez quelle position? Moi, je... Vous avez bien détaillé, vous nous avez enseigné la matière, maintenant, votre position par rapport à cette loi. Déjà, je n'ai pas enseigné la matière, j'ai partagé quelques connaissances que j'ai. Oui, oui, oui. Nous, on dit enseigner la matière. Qui n'a plus à aller, donc je préfère faire preuve de mon esprit. Okay. En ce qui me concerne, je ne suis pas pour. Parce qu'on dit ceci, que les faits précèdent le droit. Okay. Et lorsque nous avons Noël Chanagouri Kolobelaka, ils ont motivé loi Wana. Moi, je ne pense pas que les Congolais de père et de mère aiment le Congo plus que ceux qui sont soit. Mais, et à qui profite cette loi? Au chef de l'État? Déjà, il faut dire que la loi est impersonnelle. C'est ce qui s'est dit. Kamere en prison ne sera pas en 2023 comme candidat. Moïse Katumbi, voilà, il est déjà en pleurs. Il ne sera pas comme candidat. Je ne sais pas. La loi n'est pas encore passée. La loi passera peut-être. Peut-être, mais peut-être la loi passe. Puisque l'analyse que nous faisons, c'est que si cette loi a été conçue sur mesure au président Félix Tshisekedi, elle est bonne ou mauvaise? Bon, là, on parle d'un si. Moi, je veux d'abord que. Batou, Bazo, y'en a mis sur Baye Boloko. Oui. Politique, ils ont le rôle à buffet. Au moins, si on a la fête, ils vont présenter. Oui, au coin, oui, au pondou, au matembe. Bon, oui, ils sont jamais. Au moins, ils n'ont pas de pondou, ils pissent. Oui, oui, oui. C'est un peu ça la politique. Ça, bon ou mauvais. Voilà, il faut lire à Boyo, ils disent que, oh, ils ont pondou, ils ont matembe. Bon, on détaille, tout l'embagayement pendant longtemps de temps. Politique, ils ont bon. Bisso, tout le monde a un plat déjà cuit. On ne sait pas ce qui est réellement l'intention de la vie quand il y a quoi attaquer Moïse Katumbi. Mais en ce qui est sur la loi de manière générale, c'est impersonnel. Ce qui est que bango ba intention na bango ezala ki ya ko écarter Moïse Katumbi, moi to bango ezate pour toujours les mettre na bango te. Cuisine interne. Voilà, voilà cuisine nous allons prendre la deuxième loi au Ezo sala rage à Kinshasa, loi du de l'honorable Daniel Mbao Soukissa de l'MLC qui demande à ce que la dot soit réduite à 500 dollars et 200 dollars à côté Misosu à Libanda Libanda. Votre aperçu? Déjà, moi je dois, en toute honnêteté, c'est un défaut assez honorable, excuse dans ma peau, j'avais émis un avis bien avant de lire la loi. Okay. Déjà, erreur à Libosso Place d'Ozali. La loi est la loi, il y a diminution à d'autres ou bien fixation à d'autres à 500 dollars. Oui. La loi est une proposition de loi portant sur la révision du code de la famille. Voilà. Donc, à quel moment c'est la loi qui est dotée à 500 dollars. Il y a plusieurs autres choses dans cette modification qu'il faut toucher, que lui propose. Et notamment, si que tu as un aspect wana, il y a d'autres à 500 dollars. Okay. Alors, vu que la question nous est portée sur d'autres à 500 dollars, on va s'apesantir dans la point wana. Voilà. L'honorable dit ceci. Aujourd'hui, abus est belé. Au niveau de la moitié, moi ça c'est belé. Si au bébé monté mes bêtises, tout doux. 5 000 balles. Ah! Roba na IPC à bas. Cher bana. Vous allez attaquer ma soeur na IPC. Na IPC, bien au bout d'un. Baza cher. Bas cher à Nine. Batangit. Et moi, par rapport à ma valeur. Ok. Ok, on y va. La dot, en réalité, ils ont un symbole. Dans certaines tribus, tu vas s'en rabdoter. Dans la mienne, par exemple, les sons qui ne demandent pas la dot. Yo papa mon envoyé bisa yo yo pèse un bon au yo moni que mon anangaï aujourd'hui qu'on pèse là en tant que symbole yado. Mais il y a des parents qui commençaient à abuser. Raison pour laquelle l'honorable
Mbaou a proposé plafonnement. Okay. Il y a exigence de la dot. Okay. C'est-à-dire que le caractère contraignant à dot est qu'il faut dépasser $500. Okay. Donc jamais, bah, il faut obliger ou bah, la moitié de la dot les dot et les $500. Mais à bah, ici, clause, le nom m'a un peu échappé, je crois, clause sur la convention numéraire. Voilà, c'est ça le nom. Clause, on est au Belaboué. Il y a, par exemple, le papa Ebisso, que, ok, selon la loi, il faut payer ça $500 pour la moitié de la dot. Mais ceux qui ont estimé que tu es un peu plus de $5,000, wana siko yo yung wala makamuna yo. Mais papa qui est obligé de payer la moitié au-delà de $500 pour les milieux, ma ville et tout, et pour $200 pour par exemple ma village. Donc on ne peut pas t'obliger à le faire. Et bah tout le monde se dit non, attends la droite parce que on est à moitié. Je rappelle aux gens que l'article, je pense, 40 de la Constitution dit que l'autorité publique vient de mon devoir réguler ma et le mariage. Donc, bon, le bâté que on aura besoin de droite et de la droite, c'est dans la Constitution. Mais maintenant, les $500, ce sera accompagné de ma mungwa, de ma veste, de ma ligne, tout ça, puisque tout le monde dans les réseaux sociaux, comme il y a une liste, $500, ça va. Mais PESA 4 vestes, PESA groupe électrogène, PESA TV à 65 pouces, PESA, ma casse sous tous ces ailes et sous terre. Honorable, il faut aussi voir par rapport à ça. C'est sur la liste, qu'il y a aussi une liste officielle, il y a genre outil à l'État, qu'il faut PESA Kabouina papa, PESA Kabouina maman. Mais là, il faut aussi consulter ma coutume. C'est là où je loue l'intelligence du professeur honorable Daniel Mbaou. Il a prévu tout ça. Okay. Dans sa proposition portant révision du code de la famille. Okay. À l'obiboué, déjà, la ligne a spécifié ce logo Moussousou. À partir de l'élo, selon loi, na ce qui est l'équipe, à ta fiançaille et coucou, mais un caractère pénal. Pour mariage, il a un caractère pénal. Okay. Par exemple, ceux qui ont bali moi si, ou qui ont trompé moi si, on a akangi en flagrant. En plein kangal, voilà. On se retrompe. En plein kangal, on c'est ça. Selon les gens, on se retrompe. On se trompe, bah, on peut poursuivre. Là, c'est bien. Pour les gens fiancés qui moi en bateau, alors qu'ils sont en baroumbo confiancé, ok, na les méthodes confiancé. Pour les nippo, il y a pas qui avant fiançaille, l'État qu'on a raté, l'État qu'on a ramassé. L'honorable Mbaou a proposé Boye. Désormais, liste, il faut estampiller la commune. Ok. Ceux qui ont la liste, ok, au déposant la commune. Voilà. La commune est là. Est-ce que moi, je suis là, ils ont la coutume de la très bien. Au groupe électrogène, on se met là, caché dans le taxi. On va aller. 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 On et alors, et au bal à repêcher, non, je vérité. À ta loi, on est l'équipe. On a la mouboule pour l'application. Mais bien, dit les lois maramouille et les locataires. Nan, l'état fixa 3 mois à la nani, il y a garantie. Mais bah, il va répondre à nous. D'abord, on a eu les temps de tomber. Donc, à ta loi, est-ce qu'on aura le biboué? Il y a ce qu'on appelle la trilogie na droit, séparation à pouvoir. Il y a un législateur. À ta loi, on est l'équipe, lui, il a fait sa part. Et côté que la sico, on a exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, a appliqué la loi. Et puis, et côté que la sico, on a justice pour nous condamner, pour respecter le matin. Ok, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'arriver lentement et sûrement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, La jeunesse face à la politique. Je rappelle que j'étais avec Sam Tunda, étudiant de l'UPC, analyste indépendant, avec qui nous avons eu quelques éclaircissements sur ce qui regarde la loi Tchani, la loi Mbaou, tout ça et tant d'autres choses. Il y a une question que j'aimerais poser aussi, Sanango. Nous sommes en pleine pandémie Covid-19. Mais nous avons remarqué que la mesure au chef de l'État, Jackie, ils en a profit et à la merci des policiers. Parce que bah barrière, on est comme il y a un péage. Comme il y a un péage, l'arnao, ou les cani. Ou alors, RLE qui est comme il y a une barrière, on a quand même carte d'électeur, on a carte de service, mais on a fait des choses parce que on a un bon mouquet à couper sa tête pour les cas. Quelques mots sur ça, nous allons finir là. Déjà, naturellement, les Congolais ont été tués, naturellement. Si vous avez un air couvre-feu, qu'est-ce que vous avez fait? La ministre a fait un peu de temps pour inventer. Il faut soulever ça.
Ah bon, là maintenant, c'est une responsabilité pour m'y partager. Puisque après avoir établi Naniwana, ils sont là pour protéger les Congolais. Oui. Ceux qui se voient, il y a des abus, que ce soit de la part de nos employeurs, il faut que ce soit qu'ils ne se plaignent dans l'État. Pour l'État, vous voyez, ce sont des employeurs, vous voyez, il y a un abus de ce côté-là. Donc, ils ont. Kakaba publicité, mais nous-mêmes aussi les Congolais, pour pas nous soucier les bandes non pas parce qu'à outil boulot, mais pas qu'il y en ait au Douma, qui s'est comme au Boué, à Zongireta, on doit se le dire. Alors, policiers, si vous voulez. Voilà, bitamola tamola. Plutôt que. Parce que logiquement, tu es censé rester là. Ouais. Mais policiers, comme une, en passant, une, je pense pas qu'il soit très très bien payé, très bien motivé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se dit, bon, je vais te rendre service. En violant effectivement les textes, je te rends service, mais. Voilà, mais que moi, ma poche aussi, voilà, voilà, moi, et le gouvernement. Ben, c'est un peu ça. Gouvernement, c'est quoi, refoutre la police, TP, si Bango Chida, Rokanga, tout pour la Bakachine, 5 000, tout ça, comme à proximité, par-ci, par-là et tout. En tout cas, le gouvernement congolais doit faire un effort pour la quota, là, un peu quotidien, puis survivre à la police, puis à la soda, à la FARDC et tout. Ce n'est pas dit que l'amour, il faut aller à bien, qu'on est à la FARDC, la FARDC, il faut aller à bien, qu'on est à la police, on est à la soldat, il y a un bon cannabis, il faut qu'il soit entré. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de boucler la boucle, je rappelle toujours que Vital Kamerhe est en prison. Je vous rappelle encore que Willy Bakonga, Mtoatika gratuité à défaut, il est en prison. Je rappelle que Matata Ponyo est en train d'échapper, mais mandat d'amener Naye Ezali Kaka. Mais il s'est dit empoisonné, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Toi, c'est ici.